bika e Yawe fongola lola basali bazunguya Yawe fongola lola makambwe bomana e Yawe fongola lola ye Beta maboko wana makasi Na ngambwa banguna na yo ezo bongo na bakake Lobite lelo e Yawe e Lobite siko yo Je disais très bien qu'aujourd'hui nous allons voir le chapitre 4 qui est intitulé Bien-aimé, le Seigneur te demande d'être honnête avec lui. Le Seigneur te demande d'être honnête avec lui. Le Seigneur nous demande d'être honnête avec lui. Le Seigneur demande à un frère, à une sœur qui nous écoute, qui m'écoute, d'être honnête avec lui. L'honnêteté, quelqu'un qui est honnête, Dieu est aussi honnête avec lui. Quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il dit, Dieu aussi est sérieux avec lui. C'est ça, bien-aimé, ce que nous allons voir le long de ce chapitre. Colossiens 1, verset 15, nous dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici, c'est Jésus qui est l'image de Dieu invisible, il est aussi le premier-né de toute la création. Là, nous parlons de la divinité de Christ, et Christ étant image de Dieu, et Dieu étant aussi invisible parmi son peuple. Colossiens 2, verset 9, il nous dit ceci, bien aimé, c'est très important, écoutez, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Christ. En lui, Christ, il y a la plénitude. La plénitude de Christ. Amen. 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 Là, nous entrons directement dans notre livre. Il nous dit ceci. Nous sommes de nouvelles créatures. Et le Seigneur veut nous le faire bien comprendre parce que on a quelquefois beaucoup de mal à les comprendre. Amen, amen. Amen. Moi et vous, nous sommes de nouvelles créatures. Quand nous avons reçu Christ dans notre vie, nous devenons de nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que nous faisons au-devant des hommes sont nouvelles puisque nous avons Christ en lui, en nous. C'est Christ qui nous dirige. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand je le reçois comme Seigneur et Sauveur, je suis devenu une nouvelle créature. Et c'est le Christ lui seul qui doit me comprendre. Mais les gens peut-être vont comprendre cela à l'envers. Il faut que le Saint-Esprit nous aide, qu'il ouvre notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ces choses. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien comprendre. On comprend les choses de Dieu, puisqu'ils sont surnaturelles, car on est accompagné du Saint-Esprit, car on a le Saint-Esprit en soi. Aucun homme ne peut les expliquer. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous révèle. Bien aimé, beaucoup de choses, c'est le Saint-Esprit qui révèle aux gens. Puisque le Saint-Esprit, il est le révélateur, il nous révèle. Le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, il est notre soutien, il est notre consolateur pour consoler nos cœurs et nous donner une meilleure vie. Nous ne pouvons prêcher la parole de Dieu et compter sur l'action du Saint-Esprit dans le cœur pour que le Seigneur ouvre le cœur à sa parole. Et quand on a compris par l'intelligence spirituelle dans le cœur, alors à ce moment-là, il y a de nouveaux espaces qui s'ouvrent devant nous où le Seigneur nous conduit. Il veut nous faire rentrer et monter toujours plus haut. Nous sommes de sa nature à lui. Lui est un être qui vole en haut des cieux. Alors, il veut que nous soyons portés par ses ailes, que nous puissions élever nos regards et pas nous plonger les nez dans les choses de la terre. Même s'il faut vivre
sur cette terre et travailler. Quand on a les ciels ouverts sur la tête, on peut y travailler sur cette terre pour le Seigneur. Amen. Amen. Là, bien aimé, tout le monde est d'accord. Vous êtes d'accord? Moi, je suis aussi d'accord. Quand quelqu'un a Christ, quand quelqu'un est conduit par Christ, c'est un homme courageux. Et quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, il a la réussite dans tout ce qu'il fait. Puis le Saint-Esprit seul va s'occuper de lui. Christ en lui va prendre sa charge. Il va commencer à opérer en lui. L'homme va commencer à s'immoler comme un être. Il va commencer à toujours vers l'avant comme un être. Puisque l'être, c'est celui qui va toujours vers la profondeur. Être le force. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit bien-aimé, il est mis à part. Amen, amen. Sois honnête avec Jésus-Christ. Je voudrais conclure encore sur le même thème. Parce qu'il est inépuisable et on a besoin d'y revenir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand ça vient de la parole de Dieu, ça fait grandir la foi dans nos cœurs. La dernière fois, nous avons surtout regardé dans l'épître aux Éphésiens, oui. Cette fois-ci, je voudrais surtout regarder quelques passages dans l'épître de Colossiens. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Là, bien aimé, quand j'ai dit que la dernière fois, j'ai revenu au chapitre 3, que nous n'avons pas pu avoir les yeux sautés au chapitre 4. Donc, nous devons regarder encore une fois dans l'épître aux Colossiens ce que le Seigneur dit de nous. Puis je terminerai en rappelant de toute manière qu'on doit écouter la parole de Dieu. C'est très important, bien aimé. La manière dont on écoute la parole de Dieu, on peut l'écouter avec l'oreille, on peut l'écouter avec le cœur, on peut l'écouter avec l'intelligence. Le Seigneur nous rend responsable de la manière dont on a et on va écouter. Amen, amen. Je répète, la manière qu'on doit écouter la parole de Dieu, la manière qu'on doit suivre la parole de Dieu, bien aimé, là je dis bien, on peut l'écouter avec l'oreille. Oui. On peut écouter avec l'oreille humaine et on peut aussi l'écouter avec l'oreille spirituelle. Dieu nous demande d'écouter la parole de Dieu avec l'oreille spirituelle. On peut aussi écouter la parole de Dieu avec le cœur. Dieu peut nous parler de nos cœurs. Il va te dire, mon enfant, écoute, aujourd'hui quand tu vas sortir, évitez de parler beaucoup. Il t'enseigne dans le cœur. On peut aussi l'écouter avec l'intelligence. Et le Seigneur nous rend responsable de la manière dont on va écouter sa parole. C'est très important de savoir écouter la parole de Dieu. Parce que le Seigneur parle tout le temps. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous parle tout le temps. Dieu fait que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si un homme ne vient pas au salut et à la connaissance de la vérité, ce n'est pas la faute du Seigneur. Il a tout fait. Il fait tout pour que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Alors, il y a une manière d'écouter sa parole pour pouvoir recevoir son salut. Amen, amen. Amen. Soyons honnêtes avec Christ. Mais dans notre façon d'écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Car les hommes, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils viennent à la vérité, à la recherche de la vérité, il y a une manière d'écouter la parole de Dieu pour pouvoir recevoir ce salut. Pas tous les que l'on a fait avec un étude, c'est-à-dire vraiment policier. Et quand il dit ça, il dit qu'il y a un théâtre de notre bruit. Amen, amen. On doit écouter la parole de Dieu avec intercesseur pour savoir mettre tout ce qu'on a écouté en pratique. Et ça, la Bible insiste très bien. C'est mieux d'écouter, mais très bien pour la vie de quelqu'un, c'est de mettre cela en pratique. Amen, amen. Amen. On peut écouter la parole de Dieu. Mais on te dit dans la parole de Dieu d'aimer ton prochain comme toi-même. Tiens, écoute la parole de Dieu. Mais tu n'aimes pas ton prochain. Là, vous dites, n'a pas mis cela en pratique.
Mais aujourd'hui, notre Dieu nous demande d'être honnête avec lui, dans sa parole et dans tout ce que nous faisons. Amen, amen. Amen. C'est comme je dis tout à l'heure, Colossiens 1, verset 15. Il parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Car, cela veut dire, il est la forme visible du Dieu invisible. Amen, amen. Amen. Dieu est invisible. Jésus est la forme du Dieu invisible. Le Père. Dieu le Père. Amen. Amen. Est invisible. Nos yeux les verront un jour quand nous serons là-haut. Mais il s'est rendu visible par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, il est le premier-né de toute la création, Jésus. Nous ne sommes pas comme certains qui disent qu'il a été créé le premier. Il n'a jamais été créé, Jésus. Jésus est éternel, puisqu'il est Dieu. Mais il est le premier-né. Amen, amen. Amen. Baptisme de la quête hier sur la montagne. Amen, amen. Amen. Oui. Tout le monde m'a dit, mon Dieu. Amis, c'est le Seigneur hier. Mais Jésus est éternel. Amen, amen. Amen. Il est né d'une femme. Amen. Mais sa naissance est miracle. Oui. Et sa vie est miracle. Amen. C'est ça, bien-aimé, que je vous ai que je me suis expliqué. Pour faire savoir pourquoi je l'ai nommé le champion des champions. Amen. Amen, amen. Amen. Il est éternel. Mais il est comme tout homme d'une femme. Mais lui, il est d'une femme qui était toujours vierge. Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire, il est né dans la création du Seigneur, que lui-même a fait, puisque c'est Jésus qui a créé toutes choses par sa puissance. Il est le premier en tout. Un premier-né. C'est celui qui vient. Le premier. Alléluia. Et nous savons que Jésus-Christ, il est le premier à être ministrateur et à avoir accompli toute la loi. Il est le premier à être ressuscité par la puissance de Dieu. Il est le premier à être monté aux cieux en tant que Dieu fait homme et ressuscité. Il est le premier de toute la création. De toute la nouvelle création. Amen, amen, amen. Que nous sommes à lui. Il est le chef. Le premier-né, ça veut dire aussi le chef. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Le visible et les invisibles. Amen. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Donc il est le créateur. Et pour lui, il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il est le premier ressuscité, afin d'être à tout le premier. Voilà la position de Jésus. Il est le premier en tout. Il est le chef de tout. Il est le chef de toute autorité, de toute domination. Il occupe la place la plus haute dans les ciels. Et à la droite du Père, et à nos pères. Mais celui à lui, il est le premier en tout. Il est la tête de l'Église. Amen, amen. Amen. Vous voyez tout ce que j'ai détaillé là. C'est pour montrer la spiritualité de Jésus-Christ. C'est pour vous montrer qu'on doit être vraiment honnête avec cet homme. On doit être honnête avec le premier-né. On doit être honnête avec le premier à ressusciter les morts. Et à part lui, il n'y a pas d'autre. Amen, amen. Il est ressuscité, mais lui a fait ressusciter les autres. Jésus de Nazareth, le champion des champions. Amen, amen. Amen. Vous devez être honnête avec lui. Et vous voyez, quand nous sommes à lui, la place que nous devons avoir, que nous avons en lui, c'est lui qui nous la donne. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, comme nous avons dit. Toute la plénitude de Dieu, et ce n'est pas peine de dire la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, on ne peut pas la mesurer, c'est infini. Il y a quelque chose qui nous dépasse.
passe. C'est un mystère. Amen, amen. C'est un mystère, c'est Jésus. Paul parle du mystère de Jésus-Christ. Amen. Comment toute la plénitude de Dieu est finie peut être rassemblée dans la personne de Jésus. C'est Jésus qui est fait homme comme nous. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. Et c'est un encouragement, pour nous parce que quand nous voyons Jésus rempli de toute la plénitude de Dieu, ça nous montre que Dieu veut aussi de nous. Que nous puissions être remplis de toute sa plénitude. Amen, amen. Puisque nous sommes en Jésus-Christ, quand nous croyons en lui, amen, amen. Si Jésus est la plénitude de Dieu, amen, amen, amen. Et que nous, nous sommes en lui et nous croyons en lui. Amen, amen. C'est un encouragement pour nous. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons et que nous arrêtions à ce que nous sommes maintenant. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on est maintenant. Il faut toujours avoir les yeux sur le but. Le but, c'est Jésus-Christ dans sa plénitude. Et nous entraîne vers lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Amen, amen. Bien aimé, ces choses sont vraiment très importantes dans notre vie. Dieu nous demande d'être, Jésus-Christ nous demande d'être honnête avec lui. Il veut que nous puissions être honnêtes avec Dieu, avec lui le Seigneur, avec lui le Sauveur. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Et l'enfant de Dieu ne peut pas être menteur. Et l'enfant de Dieu ne peut pas dire deux phrases. Dans des phrases, toutes les deux phrases sont fausses. Qui est en lui à ce moment-là? Qui parle? C'est Jésus-Christ qui est en lui ou bien sur l'ennemi. Et nous savons qu'il y en a à qui accepter ce qu'il a voulu, d'autres qui n'ont pas voulu. Dieu a voulu réconcilier tout le monde avec lui par le sang de Jésus-Christ. Et il est venu pour annoncer ce message, la bonne nouvelle. Mais il y en a à qui l'on accepte. Et il y en a aussi à qui l'on refuse. C'est qu'il accepte. Et pas n'importe comment, on le verra à la fin de notre message. C'est qu'il accepte de tout cœur. Honnêtement, ceux-là sont entraînés par la puissance du Saint-Esprit dans toute la plénitude de Dieu. Amen. Pour nous, vous allez vous la paix pour demain, sur la bombe immobile. Bangonde, vous allez entraîner dans mon bouya et à mon lieu sang, la plénitude ensemble. Amen, amen. Amen. On doit être honnête avec notre Dieu. Le verset 21 du chapitre 15, et le verset 21 de 1, de Colossiens 1, nous dit ceci. Colossiens 1, verset 21. Il nous dit ceci. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos corps mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans faute et sans reproche. Amen. Amen. Dieu nous a éloignés de nos ennemis. Et de mauvaises œuvres. Amen, amen. Il nous a conduits en Christ, notre justice.
ennemi par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Il vous a réconcilié avec Dieu, le Père, par sa mort dans les corps des sacheurs pour vous faire paraître devant les saints et irréprochable et sans reproche. Et du moins, vous demeurez fondé inébranlable dans la foi. Et je reviendrai maintenant constamment là-dessus, parce que tout ce que Dieu nous donne en Jésus, il nous les donne gratuitement. Et nous devons le prendre par la foi, pour que ce soit une grâce, pas des œuvres, mais que ce soit une grâce. Et la seule façon de recevoir une grâce, c'est de la prendre par la foi. La grâce de Dieu, on la prend et on l'a par la foi. Amen. 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 La seule façon de recevoir, la façon de recevoir une grâce, c'est de la prendre par la foi dans un accompagnement. Quand Dieu dit qu'il nous appelle à être saints et irréprochables, il n'y a que lui qui peut le faire. Mais si moi, je ne le crois pas, je n'arriverai pas. Non pas Dieu ne veut pas que j'y arrive, mais j'ai besoin de croire à ce qu'il veut faire en moi. Si je ne crois pas, je ne veux pas y arriver. Il veut me faire croire, puisque c'est lui qui me donne la foi, Jésus-Christ lui-même. Mais si j'ouvre mon cœur, ça marche. Si je regarde mon cœur fermé, la parole de Dieu ne va pas rentrer. Amen, amen. Nous devons ouvrir nos cœurs avec Jésus-Christ pour que sa parole puisse entrer dans nos vies et faire des actes. Mais si je reste fondé inébranlable dans la foi, alors ça vous détourne de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Quelle est l'espérance de l'évangile? Être comme Jésus, c'est être aussi avec lui dans les cieux pour toujours. Mais c'est être semblable à lui. Lui sera toujours Dieu. Nous ne serons jamais Dieu, mais nous serons ses petits frères et sœurs semblables à lui par sa puissance et dépendant complètement de lui. Amen, amen. Amen. Nous allons continuer prochainement avec le verset 25 de Colossiens 1 pour pouvoir entrer vraiment en profondeur de ce chapitre 4e. Le Seigneur te demande d'être honnête avec lui. Dieu te demande d'être honnête avec lui. Jésus te demande d'être honnête avec lui. Bien-aimés, soyons honnêtes. Nous devons ouvrir nos bouches et dire que la vérité. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons être des modèles, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens. Nous devons faire voir au monde que nous sommes mis à part. Nous devons avoir la différence. Quand nous sommes ensemble avec Seigneur de ce monde, afin que Christ puisse témoigner de nos bienfaits, afin que Christ puisse se taper au front que non, j'ai quelqu'un. J'ai cela qui me craint. Afin que Christ puisse nous appeler comme ses amis. Amen, amen. Amen. Soyons honnêtes avec Christ dans tout ce que nous faisons. Nous mettons debout et nous prions notre Dieu. Mettons-nous debout pour prier. Yahweh fongola lola makambwe bomana ye. Yahweh fongola lola ye. Beta maboko wana makasi. Nangambwa banguna na yo ezo bomana makake. Lobite lelo ye. Yahweh. Lobite siko ye.